La sexualidad femenina, un espacio en Radio Tentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1:40 de la madrugada en la sintonía de Radio Tentación. Bien, bonjour à tous. Nous sommes de nouveau dans cet espace de la sexualité féminine. Bienvenue, Elena, Elena Trujillo. Merci, Clémence, Lunis. Psychanalyste de l'École de poésie et psychanalyse Grupo Cero. Donc, notre idée de cet espace de radio pour parler un petit peu de la psychanalyse et la psychanalyse en relation avec la femme. Aussi pour pratiquer, apprendre français en direct. Ton apprentissage du français en direct. Voilà, oui. Nous allons profiter de cet espace pour qu'Elena apprenne petit à petit devant tout le monde à s'exprimer en français. Donc nous allons devoir l'aider, bien évidemment. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de présenter un petit peu ce que c'est que la psychanalyse, parce qu'on parle de la psychanalyse un petit peu. Il y a beaucoup de gens qui savent déjà ce que c'est, il y a beaucoup de gens qui ont des idées. Donc nous, on va se positionner un petit peu pour dire un petit peu ce que nous, on comprend par psychanalyse. D'abord, c'est une science qui est toujours très nouvelle. Elle a 100 ans et quelques. C'est pour une science assez très jeune. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent toujours pas ce que c'est, que c'est une science qui n'est pas introduite dans la vie quotidienne de nombreuses personnes. Et en plus, c'est une science qui est assez refusée, on va dire, qu'on essaye d'échapper à cet instrument qui peut nous aider à vivre beaucoup mieux. Mais pour ça, il y a un certain rejet face à la psychanalyse parce qu'elle va nous demander une certaine modification. C'est-à-dire que pour avoir accès autant à l'étude de la psychanalyse qu'à la... Mais je veux dire que quelques relations et la vie ont besoin de moins transformation. Parce que sinon, non a relation. Exactement. Donc, il est nécessaire d'une transformation parce que sinon, et c'est pour ça aussi que cet accès à la psychanalyse est difficile dans le sens où il faut accepter qu'une transformation est indispensable. Donc, on disait que la psychanalyse était une science toute jeune et qu'on la connaît mal. Non, c'est-à-dire qu'on la connaît mal parce qu'on veut toujours la comparer à quelque chose de déjà connu, on veut la comparer à quelque chose, à quelque chose de déjà connu, c'est-à-dire qu'on perd sa nouveauté, à ne pas l'accepter comme quelque chose de nouveau. Nous allons apprendre à aimer les psychanalystes et aussi aimer l'autre personne parce qu'il est en travail. Et peu à peu, nous pouvons apprendre quelque chose. D'accord. Donc, avec la psychanalyse, j'ai compris, d'après ce que tu dis, que c'est un instrument pour apprendre à aimer. Oui. C'est un instrument pour améliorer nos relations sociales et pour apprendre à aimer. On dit en psychanalyse que aimer, c'est donner ce que l'on n'a pas à une personne qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire que, par exemple, on peut donner l'exemple de cet architecte qui va travailler pour construire un pont qu'il ne va peut-être lui-même jamais utiliser. Donc, il fait quelque chose qu'il n'a pas, parce que tant qu'il n'est pas construit, lui, il n'a strictement rien. Et sinon, il va travailler pour que d'autres puissent utiliser ce pont et ces autres, il ne les connaît pas. Non, on va dire que ça, c'est une définition de l'amour en psychanalyse. Pourquoi je voudrais apprendre le français? Mm-hmm. Je ne sais pas pourquoi je voudrais apprendre. Mais je dis que c'est merveilleux la possibilité d'apprendre quelque chose. Parce que la jeunesse, c'est là. Apprendre tout le temps la vie. Exactement. C'est-à-dire que c'est un travail, le travail d'apprentissage. C'est un apprentissage infini, c'est-à-dire qu'il y a un mécanisme d'apprentissage dans chaque être humain qui est nécessaire d'être en fonctionnement constant pour se transformer, pour continuer à apprendre, des autres, des livres, de tout ce que la vie peut nous offrir. Et c'est dans cet apprentissage que nous allons nous transformer.
Mais avec la psychanalyse, cet apprentissage est un peu différent, dans le sens que nous n'allons pas tomber dans l'idéologie qui est préparée pour que nous apprenions telle ou telle chose. C'est-à-dire qu'il y a une idéologie qui nous dit ce que nous devons apprendre, de quelle manière nous devons nous transformer, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose déjà de prévu à cette transformation. Il y a une autre manière de transformer l'idéologie que non est la psychanalyse, mais la psychanalyse est la... L'instrument. L'instrument scientifique qui pouvait médire, quantifier la transformation, étudier la transformation. Mais c'est un procès naturel de l'homme, de la femme. Exactement, que l'apprentissage, c'est quelque chose qui existe sans la psychanalyse. Tu et qu'il n'est difficile de transformer, non? Et c'est le mécanisme normal. Un mécanisme normal, on va dire pratiquement naturel de l'être humain, d'avoir cette capacité de transformation. Mais que transformer son idéologie, c'est difficile. Pour la culture. La culture. Le malestar en la culture de Freud. Et il nous dit que c'est la société qui produit les mécanismes de répression de notre possibilité. Parce que la possibilité humaine est indescriptible. Infini. C'est-à-dire que, Claude, parce que toi, tu dis, par exemple, que tu es en train d'apprendre le français, que tu ne sais pas pourquoi tu l'apprends. Donc, pour l'instant, tu ne le sais pas. Après, non, parce que la lecture de la psychanalyse, ce qu'elle va venir nous montrer, c'est que c'est par après-coup que nous allons pouvoir dire « Ah, Elena a étudié la psychanalyse et le français pour telle chose ou telle autre chose. » Oui, parce que le travail que j'ai fait, produit un autre futur. Exactement. Change tout le temps. Et nous ne le connaissons pas. Oui. C'est-à-dire que ce n'est pas un futur qui est calculé, ni une idée d'un apprentissage. J'apprends ça parce que après je veux faire ça ou sinon que je continue à apprendre pour découvrir une nouvelle production, une nouvelle réalité qui me fera vivre de façon différente. Et l'imagination, il n'y a pas de limite. Non, que la réalité. Dans la réalité, il n'y a pas l'imagination. C'est-à-dire que notre imagination a tendance à projeter à l'extérieur et à vouloir dire voilà, il va m'arriver ça. Alors que la réalité, vient toujours nous surprendre avec quelque chose de complètement différent de ce que nous avions imaginé. Et plus intéressant, c'est qu'il a une nouvelle chose. Alors, c'est apprendre à vivre dans l'incertitude. La psychanalyse, c'est un instrument qui va nous apprendre à vivre dans l'incertitude. C'est qu'est-ce qui va se passer demain? Nous ne le savons pas. Demain, je serai nouvelle. Donc, obligatoirement, il y aura quelque chose de nouveau produit, ne serait-ce qu'avec ce programme de radio. C'est-à-dire que faire cet exercice de programme de 15 minutes tous les vendredis, c'est quelque chose de nouveau, et donc on se produit nous-mêmes différentes, et donc demain on ne sait pas ce que cette réalité va produire pour nous dans notre vie. Oui, il y a personne qui m'a dit qu'il écoute ce programme et aussi sa vie s'est transformée et simplement pour écouter nous. Exactement, c'est-à-dire que ce programme peut modifier certaines idées des gens qui vont nous écouter. Mais je pensais aussi à un exemple que j'ai écouté une fois qui disait, par exemple, « J'ai embrassé cette femme. Je rentre à la maison, je ne suis plus le même. J'ai embrassé une nouvelle femme, une femme que je ne connaissais pas, donc je suis différent. Nous sommes constamment de nouvelles personnes et nous devons essayer de pouvoir nous libérer de toutes ces attaches, non ? Quand on parle de notre caractère, que nous sommes comme ci, que nous sommes comme ça et que nous nous définissons avec des choses assez fixes, on va dire, en disant non, moi j'ai toujours été comme ça, je suis comme ça et point. Sinon que la psychanalyse nous donne la possibilité de nous découvrir différents, de produire un être humain différent en nous-mêmes.
C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de vouloir changer l'autre, sinon d'avoir cette possibilité de nous changer nous-mêmes pour avoir une nouvelle vision de la réalité. Parce que se transformer, c'est ça, c'est modifier la réalité. C'est modifier notre vision de la réalité. Et maintenant, ça dit que psychanalyse pour tous. Psychanalyse pour tous. C'est-à-dire qu'il y a une psychanalyse qui va être un instrument qui va nous aider à mieux vivre, on va dire, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'il y a, nous avons l'habitude de vivre, la majorité des gens, nous sommes tous plus ou moins à des degrés différents névrosés, et que cette névrose, c'est un handicap pour vivre beaucoup de choses. Il y a l'inhibition, il y a les angoisses, il y a un tas de symptômes qui sont lus comme des symptômes à partir de la psychanalyse qui nous empêchent de vivre beaucoup de choses. Non, c'est ça. Et il y a une psychanalyse pour tous qui est aussi pour les gens qui ont déjà, on va dire, dépassé ces inhibitions, ces symptômes névrotiques, et qui aujourd'hui peuvent utiliser la psychanalyse comme un instrument qui va leur permettre de triompher là où ils sont en train de travailler, là où ils sont en train de développer leur activité professionnelle, leur activité artistique, et donne cette possibilité d'arriver à quelque chose de bien mieux. Et surtout parce que triompher, c'est permanecer. C'est demeurer. Je ne sais pas exactement comment on dit, mais c'est continuer, disons. C'est continuer dans l'action. Parce que réellement, pour pouvoir réellement se transformer, il faut se maintenir dans l'activité. Il faut se maintenir dans le faire, la réalisation. Se maintenir, parce que il y a des gens qui ont tendance à changer constamment en disant non, j'ai commencé mais ça me plaît pas, bon, poum, je change. Donc il n'y a pas de possibilité réellement de transformation de cette personne, ni d'une façon de triompher, parce que triompher, c'est continuer nos activités pour voir ce que la réalité va nous découvrir après une permanence dans l'activité. Tu as un poème pour nous lire? Ah, je sais pas. Mais je peux en trouver un comme ça rapidement. Oh oui. S'il vous plaît. Je crois que j'ai un texte. Ah oui. J'ai un texte. Oui. Et un texte de Menassa qui s'appelle L'amour, la poésie produisent en moi en même temps une jouissance infinie. L'amour, la poésie produisent en moi en même temps une jouissance infinie. Et moi, je continue à faire l'amour et je continue à écrire de la poésie par reconnaissance. C'est tout. La poésie, l'amour ont été les piliers fondamentaux de ma vie et de ma pensée. Quant à la psychanalyse, ce n'est pas un fondement, c'est un instrument de précision qui ouvre toute grande, pour tout sujet, les ponts de l'amour et de la création. Bien sûr, ensuite, que chacun puisse ou ne puisse pas franchir les portes n'est pas une question de la psychanalyse, mais les portes resteront ouvertes. La psychanalyse a rempli sa fonction, ouvrir les portes. Moi, pour ma part, je franchirai toutes les portes que la psychanalyse a ouvertes pour moi. Quand j'ai pu comprendre quelque chose de l'amour et quelque chose de la création, la psychanalyse m'a ouvert la porte de l'argent. Avec un peu d'argent, l'amour et la poésie se sont trouvés agrandis. La psychanalyse est seulement un instrument qui, bien utilisé, comme tout instrument, sert à tout. Puisqu'être en bonne santé n'est pas un empêchement pour se psychanalyser. Il y a des gens en pleine santé qui meurent avant l'âge de 50 ans avec la santé sur le dos. D'autres, ayant peu de santé, qui tombent malades une fois de temps en temps et vivent jusqu'à 90-100 ans. La psychanalyse peut être d'une grande utilité pour vieillir plus ou moins content. Et ça, quelle que soit la manière dont ça se produit, rallonge la vie. J'ai 71 ans et je désire continuer à payer pour ma psychanalyse, même si je comprends qu'il y a des jours où je n'obtiens rien. Mais je paie également, et ainsi je suis chaque fois un peu plus libre.
et je ne sais pas si j'arriverai ou non à 100 ans, mais depuis plusieurs années, je vis et je pense que j'y arriverai. En plus, je fais quelques petites choses qu'avant, je ne faisais jamais. Voilà une manière de s'approcher de la vieillesse grâce à la psychanalyse. C'est-à-dire, non, mais là, ça, c'est un exemple, un super exemple pour voir comment il est possible de vieillir en continuant un grand rythme d'activité, en continuant à avoir de nombreuses relations sociales, où il utilise toute cette... Parce que Menasak, là, c'est un personnage, on va dire, qui est entouré de beaucoup de gens et que toutes ces relations sociales lui donnent beaucoup d'énergie. Et donc, cette énergie, il peut la rendre dans le social, en réalisant, en continuant à faire du cinéma, en continuant à donner des conférences, en continuant son spectacle de flamenco, etc. Et il y a un peu de temps, mais nous voulons les inviter. Nous voulons vous inviter. Vous inviter à les premières conférences de l'année, c'est ça, à Psychanalyse pour tous, qui va avoir lieu à Madrid le 19 octobre à 19h à l'école de psychanalyse Grupo Cero de Madrid, Calle Princesa numéro 13, première izquierda, première gauche, premier étage à gauche. Donc vous pouvez nous contacter à lasexualidadfemeninaradio@gmail.com ou nous téléphoner au 0034 626 89 02 34 0034 626 89 02 34. Et nous continuons la prochaine fois. Merci beaucoup de m'avoir accompagnée ici, Elena, avec ton français qui va progresser petit à petit. Très bien. Nous serons donc les témoins. Bonne continuation et à la prochaine fois. Au revoir. La sexualidad femenina, un espacio en Radio Tentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1:40 de la madrugada en la sintonía de Radio Tentación. Con Servicios Lunis, aprende un idioma con profesores de calidad. Disfruta de las ventajas de las clases por Skype. ¿Por qué elegir una buena profesora? Porque una buena profesora transmite y eso facilita el aprendizaje. Ahorras dinero y ganas tiempo. Aprende bien y rápido. Los dos meses que llevo en estas clases me ha ayudado muchísimo. ¿Te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás? Los diálogos, los debates creados en clase, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Te mantiene siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender. Y bueno, con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto. Os la recomiendo. Realmente la recomiendo al 100%. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti.